Que vous avez demandé la suite. Alors du coup, on est parti tout de suite sur la suite de la vidéo. Let's go! Ok. Ok, c'est parti. Alors la chasse va fermer. On a les battes. Alors, est-ce qu'on envoie direct les battes ou pas? Il fait ça. On essaie les plus vite ou pas? Non, je pense pas. C'était une erreur d'envoyer les battes du coup. Isap, c'est très bien. Très bien, au moins. On va devoir défendre son prince par contre. Alors, on fait un truc comme ça. J'espère que c'est pas un hydrague. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un électro-dragon. Ok, bon, KMTDE, parce que de toute façon, son dragon va tomber. Là, tout ça, ça devrait à peu près tomber tout seul. Oh, cette défense! Cette défense! Incroyable! Ouais, faut faire gaffe, hein. Faut vraiment pas over défendre, faut pas se prendre du dégât. Et après, on est mieux. Donc là, elle a tombé, donc j'aurais pu regarder le temps de fin pour savoir à quel moment ça va reprendre. Alors après, normalement, il joue pas de tornade, alors je peux le mettre où je veux. On va quand même le mettre sur positionnement safe anti-tornade, mais bon. Ok, ah putain, il va le prendre à un moment encore une fois. Non! Ok, je me suis fait un peu avoir. Hein. Est-ce que je vais pas mettre un petit boule de neige là? Ok. Attends, il y a des fèves. On va def, on va def, on va def. Tranquillement, ne nous pressons pas. Ne nous pressons pas. Précipitons pas, pardon. On va mettre ça au milieu, parce que sinon ça va prendre le tarif. Voilà. On a pris des coups de mousquetaire, c'était pas la folie. C'était vraiment pas la folie. Mais nous sommes toujours vivants. Du coup, là, on va bien prendre le temps de remettre la T2. Ça devrait pas tarder à revenir. Voilà, parfait. On va déjà gérer ça. J'ai mis une boule de neige, histoire que la T2 reste en vie. Ah, parce que lui, il a son esprit en plus. Hein. Voilà. Et là, la T2, elle va bien gratter ça. C'est parfait, elle ira plus vite. Il va devoir la zapper. Mais s'il la zappe pas, ben. Ah non, trop tard, il va prendre le tarif. Ok, on a l'Infernal. Donc, déjà, il l'a pas eu lui. En plus, il a claqué pas mal de cartes. Ce qui est vraiment très cool pour nous. On va attendre que la mousquetaire avance un peu. On lui met juste les battes, histoire de faire un peu de value en élixir. De pas s'overcommit. Hein, ce qui est fait. Ensuite, on a le temps. On va récupérer un petit peu d'élixir. On peut recycler tranquillement dans le fond. Ok, c'est bien. Parfait. Ok, il a zap, donc là on peut mettre la T2, donc on aura le prochain dragon qui va pas tarder à arriver. Voilà, le voilà. Quoi qu'il arrive, il pourra pas nous prendre. On a la boule de neige pour ses gargouilles, s'il en met. Non, il en met pas. Ok, on va réappuyer un peu le push. Ah non, il est parti par là-bas, lui. Oh, j'avais compris qu'il irait de l'autre côté. My bad, mon mauvais, comme disait Français, c'est pas grave, on est de value poison. On la prend directement. Papa, pa, les bats vont permettre de faire retarder un peu tout ça. On va respiter un petit peu les gobelins à lance. Notre but, ça va être vraiment récupérer une T2 en plus. Ok, parfait. Là, il va gratter un peu sur la tour, mais il met un coup, c'est pas grave, donc clairement. On s'en fiche. Là, on peut, il a reclaqué le zap, donc on peut limite se permettre de remettre une T2, voilà, comme ça a gratté en plus. Notre ami Mega Knight, les bats, alors on va leur dire non, hop là. Allez, tu vas plus vite, tu vas plus vite. TDE! TDE, c'est bien, très très bonne TDE ça. Parfait. Ok, on est reparti un peu pour un peu d'agression, on va remettre ça là-bas, on va pouvoir remettre notre prince. On attend que le Mega Knight tombe, évidemment. Parfait. Boule de neige. On essaie de rester focus, hein, on fait attention. Là, il peut nous attaquer avec le hog, ça va revenir au milieu, donc l'œuf va revenir. Vu que l'œuf va revenir, on remet ça ici. On va bien garder les battes pour aller gérer un peu notre ami le prince. Mettre ça avec, parfait. On peut le fuite barbare hein, si on veut. Ça va tomber, voilà. Parfait. Alors maintenant, on peut remettre un prince pour gratter avec, et là, on va partir sur un full push à droite. Je vous préviens, ça va être la folie. À droite, il va prendre un de ses tarifs. Ok, on va gratter un peu les gargouilles, on gratte le Mega Knight. Oh là là, les dégâts qu'on va pas mettre. Et le truc, c'est qu'on a déjà réussi une T2, donc on va déjà pouvoir repartir sur de la grosse défense. Voilà. Le prince, il va se faire. Il va se faire découper! Il va se faire découper, le prince! Il va se faire. Vrai! Vrai! Voilà, il disparaît, le prince. On n'en veut plus du prince. Ok, 7-0, c'est pas mal. On est reparti. On a les battes. Allez, je batte direct. On verra bien qu'est-ce qu'il met lui. S'il zappe, s'il boule de neige. Tesla, ok. Ah oui, ok, il zappe. Et s'il est très très vite, donc elle a claqué 6, Tesla plus zap, très bien. On va plutôt, nous, y aller juste en défense, on va mettre un petit fuite barbare middle. Quel que soit le dragon, il va se faire gérer par notre fuite barbare et notre tour. Oh, le fuite barbare, il reste à trop loin. Ok, il nous spam, mais j'aime pas trop ça. Ça me déconcentre, je vais couper les émotes. Oh. Il a réussi à me déconcentrer quand même. Bien joué à lui. Bon, c'est pas grave. Alors, tout ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Il y avait quelques dégâts, mais non. Est-ce qu'on n'active pas? Allez. Ah, il est trop proche!
Il ne connaît pas ce positionnement! C'est vrai que ça, c'est un des seuls trucs sur lesquels je connais pas encore. Alors, bon, il a le zap en main, donc il y a moyen qu'il nous le mette. On verra bien s'il le met. Ok, il met une PK. Flèche! Il avait le temps. Il a pratiqué le j'ai pas le temps. Du coup, on va gérer ça comme ça. Alors, le début de partie est pas fou, clairement. J'ai pas fait le meilleur début de partie de ma vie. Est-ce qu'il a un truc pour m'embêter? Non, il a une Tesla. Ok, bon, la Tesla va tomber, du coup, c'est pas très grave. Ou il zappe en plus. Ouh, ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Il n'aurait pas dû faire ça. Vraiment, c'est une erreur. Du coup, nous, on va pouvoir préparer la T2 pour le prochain. Et on fait déjà, on va être vachement bien. Hop là. Ça va être pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Hop là, salut. Ok, t'es parti plutôt pour aller à droite. Et bah, pas de problème pour nous. On va aller à droite. Sachant qu'il a plus le zap, hein, donc là on va pouvoir remettre les battes qui vont permettre de protéger notre Infernal, mais malgré le fait que ce soit notre Infernal qui ait pris la tour, c'est pas très cool. C'est pas très grave non plus. Alors la T2 devrait faire assez de travail. Hein. Ouais, large, large, large. Regardez ça, regardez ça. Regardez-moi comme elle est magnifique cette tour. Alors on va pouvoir remettre des gobelins à lance. On va essayer de recycler une petite T2 pour le prochain. Oh là là, regardez comment on va découper ça, il va falloir nous zap, hein. Cependant, mais normalement, même avec le zap, on devrait être un peu plus rapide. Ouais, on est large plus rapide, ok, parfait. Ok, ça rebounce un petit peu, on peut remettre un petit minard par là-bas. Appuyer sur l'accompagner notre prince, on va mettre un petit poison pas dur. Je savais qu'il fallait que je mette le mineur! Ah, il fait n'importe quoi! On va falloir préparer le plus gros push de notre vie. Là, il va prendre le dragon en plus. Oh, ça va être très très dur. Ah, j'ai fait des bêtises. J'ai fait plein de bêtises dans cette partie. Non! Mais pourquoi j'ai fait des bêtises? Ah là là, ça va pas du tout. Et bah, tant pis. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Non, en tout cas, quoi que je fasse, j'irai pas plus vite. Hein. Non! Mais je savais qu'il fallait que je mette ce mineur défensif. J'avais pas envie, mais je savais qu'il fallait que je fasse ou que je mette le fil barbare. J'aurais dû mettre largement plus tôt. C'est la non-habitude du deck, ça pète. Bon, c'est pas grave, allez, on est reparti. Je laisse pas abattre. Alors, on a la T2. Alors, moi j'avais vu que tout à l'heure, mettre la T2 first c'était quand même bien. J'attends quand même de voir ce qu'il décide de faire. Ok, c'est parti. On va se prendre ce premier dragon. Oh, il met les esprits en plus. Parfait, il a perdu plein d'élixirs. Oh, la fête est l'âme. Oh, mais quel fou! Il a pas le temps. Mais non. On va se prendre un push. Oh, le pauvre. Oh là, je vais lui mettre un sacré push, ça va être la fin pour lui. Prends un mineur direct. Ok, c'est vrai qu'il a déjà recyclé les esprits de feu, mais quand même. Mais quand même! Mais c'est quoi ces dégâts? Ah, on se met bien! On se met sacrément bien! En plus, ça va pas tarder à revenir, on va pouvoir remettre les gobelins à lance. Allez, reviens! Excuse-moi, c'est pour moi! Excuse-moi. Excuse-moi, c'était pour moi en fait. C'est pas pour toi. C'est pour moi ce dragon. Un bébé dragon. Non! Je voulais un Infernal ou un Nidrag. Un Nidrag, ça aurait été parfait. C'est pas grave. Hein. Clairement, on est très bien. Il a un peu encore une fois overcommit. Notre prince va faire une défense parfaite. On va pouvoir se remettre bien avec des petits barbares derrière. Oh, ok, on va même pouvoir aller chercher lui comme ça. Oh là là. Oh là là, je pêche! Autant vous dire que l'électron n'existe plus et la tour non plus. Hein. La tour, elle a. Oh oui, il la zappe. Heureusement, il la zappe. Ok, bien joué à lui. J'aurais dû mettre la T2, j'aurais dû attendre. C'était bête de faire ça. Je voulais aller plus vite, mais c'est une erreur. Ouais, il va falloir aller plus vite avec ça, mon Pika. C'est pas grave, on va se défendre. On va se défendre dans la maison, hein, comme les vrais. On a compris, tu vas plus vite, ok. Voilà, c'est la défense! Non, tape pas, tape pas! Non! Vilain! Mais ça se fait pas! Bon, on arrive dans le feu de donc pas très grave, évidemment. On va pouvoir juste renvoyer un mineur pour aller gratter, je pense que c'est mieux. Okay, parfait. Prince pour défler la battle rab. Petite value poison. On va chercher à recycler hein, principalement ici pour remettre une T2. Petite batte là-dessus. On est bien. Petit dragon d'enfer. Tour d'enfer, pardon. Par contre, non, c'est le nôtre. C'est le nôtre en fait. Excuse-moi, ouais, c'est le nôtre. Ouais, c'était pour ça. Ok, un petit mineur. Oh, il est tellement fort ce deck. Honnêtement, j'ai rien à faire. Il est beaucoup trop fort. Mais un TD en plus. Ok, mais quelque chose.
Ok, ça me va. Juste ça, ça ira. Je prends les dégâts. Ouais, c'est parfait. Suite barbare, ce prince. Oh, on est tellement bien! Oh là là! Oh là là, mais quel match! Moi, juste une petite boule de neige, hein, ça suffit largement. Voilà. Et c'est la victoire! Oh là là, ça passe tellement bien! Ça passe crème! Ce deck, il est tellement fort. Il est incroyable, ce deck. 8-1. Reste plus que 4 victoires pour aller chercher la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on débloque? 5 électro-dragons! Oh! Mais comment ça fait plaisir! 5 électro-dragons! Allez. Ok, prise 21, c'est Aegis. Ok, pas de problème pour moi. Il pètera avant, lui, mais c'est pas grave. Encore que c'est pas dit, hein. J'aurais dû le mettre direct. Oh, je l'ai avant! Mais c'est sérieux, ça? Oh, le pauvre ballon! Le pauvre ballon. Alors, il va aller à gauche. On va appuyer à gauche. Ok, pas mal. Donc, il met un bûcheron. Très bien. Une armée de squelettes, ok. Essayer de faire un maximum de value. Oh là, il met tout cette value. Regarde-moi les dégâts qu'on a déjà mis! Là, il m'a deux coups de bûcheron, mais c'est pas grave, hein, en vrai. On s'en fiche, hein. Même un coup. Oh là, un seul coup. Ok, très bien. Ben, écoutez, plutôt bien. Ok, parfait. On va défendre avec la tour d'enfer, le dragon bonus et le prince. Alors là, clairement, il me dira non. Oh, le dragon, il a dit non aussi. Je fais non, en fait, ça m'intéresse pas. Le prince, il va aller à gauche, hein, je sais pas si vous avez vu, mais là, du coup, il peut pas def en fait. Il a que le bûcheron, mais le bûcheron, il se fait découper par le prince. Et ouais, il a ça, mais ça suffit pas non plus en fait. Oh là là, ouf, ma boule de neige, ça sert à rien. Hein. Un peu overcommit là-dessus. C'est pas grave, hein, son armée de squelettes est aussi over étant over aussi overcommit, il n'y a pas de problème. Oh, c'est parti! Mais c'est parti! Ok, très bien. Très bien. Bah, tuons ça, du coup, de nouveau. Je pense qu'il peut même remettre le prince. Oh, il met le bûcheron, il aurait jamais dû. Oh, il aurait jamais dû. C'est une erreur, mon ami, il fallait pas faire ça. Mais bah, forçons un peu, alors, disons-lui bonjour. Je sais pas si j'aurais dû forcer ici. En vrai, je peux juste def, mais. Je sais pas. Ouais, je vais mourir là-dessus. Non! Bon, eux, on va les laisser gratter. Hein. Clairement, on garde pour l'armée de squelettes. C'est pas grave. On va mettre une T2 le moment venu. Genre, bientôt, en fait. Ok, maintenant. C'est pour nous. C'est pour nous. Bonjour. C'est sympa. Alors, quel dragon nous allons avoir? Ok, ça, ok, parfait. Petit gobelin par là. Petite attaque par là. S'il va vouloir mettre le bûcheron, évidemment. Voilà, c'est parfait. Oh là là là, des dégâts! En fait, on le force à être chez lui, on le force à défendre ici. Nous, on va pouvoir même recycler une autre T2 en fait, on s'en fiche après tout. Regardez, c'est débile. C'est trop fort! C'est trop bien! J'adore! Ok, on va recycler également les bats. Hop. Recycler nos gobelins. Et il essaie d'aller chercher notre tour. Non, ça se fait pas. Arrête ça! Arrête ça! Ah, il l'a eu! Il a eu le dragon. Bon, quand il a un dragon comme ça, ce que vous faites, c'est que vous mettez une TDE. Puis là. Derrière, on va pouvoir récupérer les battes après avoir eu le prince. Donc, on va mettre un petit prince de l'attaque. Ça, s'il nous envoie un gros push quelque part, bah, il est obligé de gérer le prince quand même. Et bah, il pourra pas. Et boum! Et boum, le bûcheron! Ouais, le prince découpe bien et est très très fort contre le bûcheron. Donc, évidemment, ça nous arrange. On va pas se mentir. Ok, 5 bébés dragons, ça fait 2500 d'or. Bim! On a faim. Nous sommes très très chauds contre Louis et Eduardo. Alors, on a les battes directs. Oh, je crois qu'on va le laisser prendre. Ouais, on va le laisser prendre. Recycler. Alors, pas le DDE par contre, là, on serait pas bien. Attends, retourne là-bas. Non! Ouf! Oh, c'est nul. Oh là là là, bah, je veux dire pas le drive. Hein. Ok, bah c'est très mauvais début de partie de ma part. J'aurais dû mettre le vide barbare, j'ai fait n'importe quoi. Et les badges, j'aurais pu être envoyé par un mineur là, du coup ça lui force à ne pas pouvoir, enfin à ne pas défendre. Ouf, très mauvais début de partie, très très mauvais. J'espère qu'il joue pas mineur. Si, ok, il joue un fût, je vais devoir def. Oh là là, ça coûte tellement cher. Oh, mais c'est quoi ce deck? Mais c'est quoi ce deck qu'il est en train de nous jouer? Il joue un deck trop bizarre. Ok, c'est pas grave. Hein. Encore une fois, on peut largement remonter. On va mettre une petite tour de l'enfer. Ok, très bien. On sait qu'il faut qu'on garde là-dessus la barbare du coup. Bon, on ira quand même plus vite hein, que son zap, donc il aurait jamais dû zap. C'était une erreur de sa part. Bon, cependant, c'est pas le bon dragon, il aurait fallu un bébé drag ici, mais après. Hein.
On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est ainsi. C'est ainsi. Ah, il y a le Snape, hein. C'est pas sympa ça. Le Dart. Dart fait du travail ici. Je vous le dis, c'est du bon Dart Goblin ça. Ok. Pensons-lui un petit géant squelette, une petite réponse, un Dart, ok, de nouveau. Voilà. Il va devoir zapper, hein. Sinon il le prend pas. Zap? Non, ok, il zappe pas. Okay. Alors nous, il va quand même falloir qu'on attaque à un moment ici. Hein. C'est bien beau de prendre les œufs, mais... Ok, la défense est parfaite. Prince. C'est parti pour le début de l'attaque. On va voir comment il gère, notre ami. Hein. Mettre une tour pour le prochain œuf, évidemment. Ok. Ok. Ça va tomber sur le coup du barbare. C'est-à-dire, on peut repartir en pêche. Ok. Allez, le prince. Allez, le prince. T'es un bon prince, quelqu'un de bien. Ah là là. Ok. Ok. Il était plus vite! Ah, c'est ce premier géant squelette, on aurait dû fuir de barbare cache. Encore une fois, c'est ce fuir de barbare qui. Tu sais, on sait que ça met du temps à sortir. Et du coup, on le met trop tard. On n'est pas habitué à jouer ce deck, du coup, on n'a pas l'habitude. On a besoin d'une unité au sol et on le rate! Mais c'est pas grave, bon, voilà, je m'en gagne. Alors. On pourrait très bien tourner l'enfer, on va attendre. Ok, il bûcheron, parfait. Il adore nous zap, hein, sinon on finira quand même avant lui. En théorie. Ouais, on finira avant. Parfait! Donc il est parti plutôt à gauche, alors là clairement il va se faire découper vers la tour, ça ne pose pas de problème. Premier petit push, c'est parti. Il joue bien. Bien joué à lui, un hein. Très bon positionnement des gargouilles derrière. Très très bien joué. Ok. Ok, on va devoir fuir de barbare ici, ce qui va nous coûter un petit peu d'élixir. C'est pas grave, mais on va devoir quand même. Hop là. Ok, le fait qui défend. Est-ce qu'on remet quelque chose? On va remettre une autre TTE. Ouf, son zappy. Il prend pas la grosse sur la. Ouais, c'est bien. C'est bien ce que je pensais. Parfait! Quel? Parti. Ok, il défend au bûcheron. Il défend au bûcheron, donc il va pas avoir besoin qu'on le défende trop, hein, son bûcheron. Pas du tout d'ailleurs. Pas du tout, mais pas du tout. Voilà, et hop, il est tombé. Ok, parfait. On recycle un petit peu. Ok, ça revient. On va mettre un petit prince. Compagnie la gentille T2, hein, qui devrait être déjà bien gratté. Et on est reparti directement sur un petit push, du coup à gauche. Ok, si tu veux. Ah, nickel. Oh, c'est parfait. Oh, il drague! Électro-dragon. Bon, par contre, il tank les tours, ce qui est clairement pas forcément ce qu'on veut. C'est pas grave, hein. Là, le minière, il va mettre des bons dégâts. On va remettre les gobelins à lance qui devraient largement suffire à défendre. Hop là. On va se prendre quelques dégâts, mais vraiment rien d'exceptionnel. Donc, ça, c'est parfait. On peut redef soit à T2, soit au prince. On va def au prince plutôt. Il va devoir remettre les gardes dessus, donc on peut se permettre de mettre les bats. Il a pas ses propres gargouilles. Quoi qu'on met les bats là, ce serait mieux. Ouais, c'est parfait. Comme ça, après, on peut repartir à l'attaque. Un petit poison là-bas qui gratte. Mineur, ça, il est obligé de mettre quelque chose devant, il est obligé de mettre les gardes, parfait. Le poison qui tombe cette vilaine mousquetaire, le barbare qui est toujours en vie. Oh, on est très très bien. Ok. Tour en enfer pour le tomber lui directement. Petite boule de neige pour aller tempo un peu tout ça. Hop là. Mettre les gobelins à lance. Histoire de clean un peu hein, la fin de ce qu'on a commencé à faire. Il nous refuse de la value du poison, et ben on prend, évidemment, on prend tout de suite. C'est pour nous! On va trop vite avec ce mec, c'est ouf. On va beaucoup trop vite. C'est insane! Mais c'est beaucoup n'importe quoi! Oh là 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 là, ok. On va mettre une boule de neige grattage, on va mettre un poison. Il reste plus qu'à cycler un poison, donc ça ira très très vite aussi. À gauche, on va se def avec les gobelins à lance.
Il aurait jamais dû le mettre aussi bas, ce monsapi. Parce que nous, ce qu'on va faire, c'est ça, 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 et poison, en fait. Voilà. On avait rien de plus à faire, nous. Donc, bah, bien joué l'adversaire. On pourrait mettre une boule de neige si on veut, mais le poison va finir avant. Hop là. Donc, ouais, on était à portée de sa gueule poison, et partant de là, on était très bien. Et on avait vu que même avec son zapi, du coup, il pouvait pas aller plus vite que nous. On était beaucoup trop rapide. Alors, quelle émote? Oh, l'émote de l'œuf! Ça, c'est bien, ça. Très belle émote. Alors, là, on n'a pas la TD first. Il décide de chasseur cache. Ok, pourquoi pas. Écoutez, on va lui laisser un. Il a mérité. Il a mérité un bébé dragon. Ok. Par contre, ça, j'ai pas de réponse de Rnf comme ça. Alors, pas pour m'arranger, hein, clairement, en plus, il charge pas. Le prince qui ne charge pas, n'importe quoi. Ça ne se fait pas. Bon, mauvais début de partie. Mais la prochaine fois, on a une T2, ce qui permet de prendre directement l'œuf. Ça va être bien. On va attendre nos 10 d'élixir. On joue avec joue cachon, donc on va la mettre un peu plus haute. Voilà. Parfait. Alors là, il met une mousquetaire, mais dans tous les cas, ça ne suffira pas. Hein. Il a intérêt à avoir des trucs en plus. Ok, il décide d'y aller vraiment. Mais on l'a quand même! On l'a quand même! C'est ça la force du deck. Ok, donc lui il va tomber sous les coups de la TDE. Lui il va se prendre. Elle va se prendre des coups de gobelin. En fait, je vais même la laisser mourir et je vais partir en gros push. Parce que là on a l'avantage en ici en fait. Il a craqué beaucoup, genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup il peut se prendre un petit push sympatoche. Ok, bien joué à lui, hein. Très belle défense. Très très belle défense. On va du coup prendre quand même l'ami là-bas. Donc même si il a ses dégâts, il tapera, il aura pas plus vite que la T2 encore une fois. Hein. T2 qui fait beaucoup trop le travail. Ok, parfait. On va pouvoir def ça avec un fuit de barbare. Il n'y avait pas besoin. Elle est incroyable. C'est beaucoup trop fort. Mais c'est quoi ce bâtiment? C'est n'importe quoi. Ok. Il recycle, on va faire de même. Je vais de récupérer la T2 en fait. On va pas se mentir, hein. Ce serait beau une petite T2 ici. Allez, c'est parti. Je crois qu'il l'aura avant parce que la mine PK a tapé vraiment vite là. Ouais, il a le zap en plus, ok. Parfait pour lui. Ok, on def peut-être un peu cher, mais bon. On dit le mieux, hein, mieux vaut trop que pas assez. Bon, lui il va se faire taper vers la télé, donc il va connecter deux coups, un seul coup, hein, ça va, un seul coup. Honnêtement, ça va un petit peu le pire. Voilà. Ok, parfait. Oh là 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 là! Cette gestion défensive! On peut en mettre une T2, là, ça va reparaître l'œuf. Et donc là, ça va faire mal, hein. Clairement, on va se faire plaisir, les petites battes qui vont permettre de bien aider. On pourrait mettre une boule là-dessus. Allez, T2, tu vas plus vite! Tu es une TDE! Une TDE! Ah non, on a perdu. Ah non, non, non! On va se gaffe à cette mini PK. On se laisse pas avoir à chaque fois par la mini PK. Hein. On défend. Très bien, très belle défense. Ça nous embête ces gardes, hein. Vraiment, ils sont embêtants. C'est vraiment pas sympa. Le prince, il n'aime pas les gardes. Au cas où vous ne le sachiez pas. Vous le savez maintenant, le prince n'aime vraiment pas les gardes. Ok. Il aime pas les gargouilles non plus. Il n'aime pas tout ça de toute façon. Clairement, c'est pas son truc. Zap, ouais, mais non, ok, non, non, non. Mais là, par contre, il va se faire découper. Là. Il va peut-être connecter un petit peu, mais non. Ok. Petite value poison. Je suis désolé, hein, j'essaie de parler en même temps, mais là, c'est compliqué. Je crois que je vais juste trahir. Hein. Pour vos yeux ébahis, il va se passer plein de trucs sexy. Ouais, ok, parfait. Il est parti à gauche en plus, c'est parfait. C'est tout ce qu'il nous fallait. Tout ce qu'il nous fallait pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Garde, garde dans le poison. Ouais, parfait, parfait. C'est vraiment sympa. On valide ce play, mon ami. Ok, viens là, toi. Viens voir combien ça fait de dégâts une T2. Ah oui, d'accord. Petit peu. Alors, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud ce match. On va splitter les gobelins.
Ah non, elle est finie! Elle s'est finito! On va remettre à gauche un petit qui va forcer avec. On le connaît, hein. On le connaît, l'ami. Voilà, c'est ça, il allait remettre son hog. Et le hog, on est vraiment pas envie qu'il collecte. Ah, par contre, il a fait une belle boule de feu ici. Bon, il fera pas de dégâts pour autant. Mais... Okay. Une minute à tenir, hein, en vrai. En vrai, on peut tenir la minute, hein. Minute et deux là, comme ça, il pourra pas connecter avec ça. Truc, hop. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut aller faire le n'importe quoi de la dernière seconde? Énorme! Et on l'a fait! Incroyable. Allez, plus que une. 11-2. Allez. Ok, elle là, je l'ai pas en main de départ, malheureusement. Ok, c'est pas grave. On attend de voir ce que c'est. Un Nidrag, ok, pas de problème pour nous. Il attend qu'il prenne un petit peu la tour. On va quand même mettre la tour là, c'est pas grave, parce que son Nidrag va tomber. Ça défendra aussi le cochon, vous en faites pas pour ça. C'est une TDE! Une TDE, ça tank 3 planètes. Donc il a mis TDE, il a mis le Hog. Donc pour l'instant, nous, on va juste envoyer un petit mineur pour gratter. Voilà, par là-bas. En fonction de poison ou pas, on attend de voir ce qu'il décide de mettre. Golem de glace, ok. Très bon golem de glace hein, de sa part d'ailleurs. C'est bien joué. Par notre adversaire. Il va réussir à reprendre celui-là, hein, ce qui m'embête bien, mais en même temps, là, je crois le choix. Oui, il zappe en plus, ok, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça va être? Un bébé dragon. Ok, je vais le def à la TDE, pareil. Ça se def au fur. Ok, parfait, le prince qui va faire une bonne value sur la mousque. Ah ouais, il joue séisme, pas bête. Pas bête du tout. Ok, le golem de glace qui défend bien, mais on met quelques dégâts. Oh, on les dégâts. Il est obligé de rezap, ok, parfait pour nous. Parfait, parfait, parfait. Donc on sait qu'il a plus le zap. Je crois qu'il a plus grand chose, en vrai, je crois que je peux aller plus vite. Il peut remettre sa T2, mais est-ce qu'il ira plus vite sa T2? C'est pas dit, non, c'est trop tard. Il va d'ailleurs se def. Ah non, il va à droite, mais il fallait à la gauche. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Bon, c'est pas grave, le prince. Oh, le prince. Faut quand même se défendre. On a du sorcier. Après, on a fui le barbare. On a mis des bons dégâts à droite. Donc, au pire, s'il nous tombe une tour, on a moyen d'aller faire quelque chose. Il a le cochon. Pardon, le fût. On va faire gaffe à son fût. Ah, merde, j'ai un peu raté. Ah. Il va t'aider aussi. Allez, si tu t'aides, t'as des gobelins à tuer. Ce troll. Ok, c'est bon, ça c'est pas mal. Alors, du coup, est-ce qu'on repart pas avec un petit poison s'il nous met quelque chose? Oh, il a give up! Il a give up! Et c'est les 12 victoires! Les 12 victoires qui passent! Et oui, c'est incroyable! Du premier coup! Du premier coup, ils l'ont fait. Alors, je suis désolé pour les deux défaites. Hein. Franchement, c'est des parties, j'aurais pu les gagner. J'aurais même dû les gagner. Clairement, clairement. Ces deux défaites qui sont de ma faute. Non! Mais sinon, on est quand même content. Hein, évidemment. On remercie aussi notre famille pour la participation. Ok, on le met sous la T2 pour tuer le prince. Bon, on en est à là. Hein. On en est à là, on s'en fiche après tout. Je vous apprends ce timing si vous le faites maintenant. Exactement comme là, ça arrive dans une vidéo qui arrive. Vous pouvez défendre parfaitement le fût de gobelin avec la boule de neige et c'est ça qui compte. Le dragon de l'enfer! Le dragon de l'enfer qui passe du premier coup, incroyable! Incroyable performance! Et c'est 50 pour refaire, ok. Et on gagne même pas de trucs à la fin de coffre. On n'a pas de coffre! Mais non! Je croyais qu'on aurait un coffre magnifique, un coffre beau. Et non, bon en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez éclaté autant que moi. Évidemment, n'hésitez pas à me dire bah, vos propres performances. Hein, vraiment, je suis très persuadé. Enfin, j'ai un peu tryhard mentalement pour ce défi. Je suis vraiment persuadé que c'est un des meilleurs decks que vous pouvez utiliser pour ce défi. Alors évidemment, jouer séisme, sachant qu'ATD en face, c'est vraiment pas une mauvaise idée non plus.
Donc n'hésitez pas à jouer TDE séisme pour embêter vos adversaires. Mais dans tous les cas, je pense vraiment que c'est un des meilleurs decks qui est possible d'avoir. Il peut contrer dragon, il peut mettre de la grosse pression. Il peut faire des poison value si votre adversaire a trop faire. Il peut se défendre facilement. Il a les doubles petits sorts qui sont vraiment souvent synonymes de très deck très fort. La tour de l'enfer, comme vous l'avez pu le voir, elle permet de découper les decks. Et le reste, vous pouvez mettre de la pression. Avec le mineur qui vous permet de justement tirer profit de vos dragons qui sont loin, et vous pouvez les protéger, vous pouvez aller appuyer avec vos dragons, et donc, enfin, vraiment pour moi, il a tout pour plaire, il a vraiment tout pour séduire. J'espère en tout cas que ça s'est bien passé pour vous, et je vous souhaite une excellente journée.